Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi. Je te souhaite la bienvenue, marhababik, dans ce nouveau cours complet d'arabe marocain, donc de Darija. Et aujourd'hui, je te propose qu'on apprenne à faire des achats, donc à faire du shopping en arabe marocain. Donc, quel est le vocabulaire qui va t'aider à ça, la conjugaison, la grammaire, tout ça. Et donc, ce cours comporte 5 vidéos, une vidéo par semaine. Et cette semaine, je te propose eh bien, qu'on écoute, puis qu'on étudie le dialogue qui va nous servir de base pour ce cours. Donc en fait c'est exactement la même chose, ce dialogue reprend tout à fait une conversation qu'on peut avoir avec un vendeur pour faire des achats ici au Maroc. Et donc pour ça j'ai fait une petite vidéo un petit peu originale avec des Playmobil pour changer. Et puis après, eh bien écoute, on va étudier, on va décortiquer ce dialogue ensemble, d'accord? Et donc, si tu es abonné à mon blog Maroc et moi, plus particulièrement au club Darija, eh bien, comme d'habitude, tu auras accès au cours au format PDF que tu pourras donc imprimer, télécharger. Et puis également, tu auras accès à 9 podcasts pour tout réécouter à volonté, que tu sois dans ta voiture, dans le métro, partout. Ok? Donc voilà, je te laisse écouter tout d'abord le dialogue et ensuite, on passe à l'étude. À tout de suite! Salam alaikum. Wa alaikum salam. Brit nchri wahd kabot. Eye sidi, chnou qiyasek? Kan lbes M. Ech min loun briti? Chnou ankoum? Andna fi zraq, lqahwi w lkhdar. أعطيني القهوة عفاك نقيسو هاك سيدي. لا 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 هذا قصير عليك. جاك مضيق بابا. شوف الكمام فين وصلوا ليك. واش عندكم في ال؟ هاك سيدي بقى واحد في ال. كي جاك هي وهذا احسن جاك هو هذاك. ايه جاك مخير سيدي وتوب سخون. نعم سيدي هذا مدوبل بالكشمير واخا تمشي لسيبيريا وما تحش بالبرد. وشحال تمن ديالو ليك انت؟ 500 درهم. الله بزاف. صوب معايا. لا تمن زوين. نعطيك 400 بركة. لا 450 اخر تمن. ودير لينا 430 باش نبقاو نرجعو عندك مرة اخرى. واخا 430. بسم الله هك حسب بصحة. إيوا ولينا كليان دابا. أيه مرحبا بكم في أي وقت. بسلامة بسلامة الله يسخر. Donc maintenant, on se retrouve avec l'étude du dialogue. Tu viens d'écouter la vidéo « Les Playmobil font du shopping ». Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Donc comme d'habitude, tu retrouves le dialogue écrit donc, en arabe marocain en caractère latin. L'arabe marocain est aussi écrit en caractère arabe. Et puis ici, la traduction en français. Donc tout d'abord, « Sidi » ou « Lalla » « Playmobil ».« Sidi » c'est « Monsieur ». De manière très respectueuse, ça on l'avait vu dans, dans le précédent cours d'octobre-novembre 2018. Lella, c'est madame. Là c'est pareil, c'est respectueux quand on dit Lella, ça veut dire madame. Donc Playmobil.
Salam alaikum. Salam alaikum, c'est-à-dire que la paix soit sur vous, mais donc c'est l'équivalent de bonjour. Tu le vois ici, bonjour. Et ensuite, moulhanout, c'est celui qui est dans une épicerie, celui qui tient une épicerie, qui tient une boutique, donc par extension, c'est le vendeur. Donc il dit wa alaikum salam, puisque quand tu dis salam alaikum, on répond par wa alaikum salam. Et donc, s'il dit Playmobil, Monsieur Playmobil, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Brit n'shri wahd kabot. Brit n'shri wahd kabot, c'est-à-dire Brit, je veux. N'shri, j'achète. Donc, en fait, textuellement, c'est je veux, j'achète, mais on va le traduire par je veux acheter. Wahd, wahd, c'est un seul, un seul. Kabot. Kabot, c'est-à-dire une doudoune. Kabot. Ensuite, je fais remonter un petit peu. Donc, Moulhanout. Donc, c'est toujours notre vendeur. Il répond par Eyeh, Sidi. Chnou qiyesek. Eyeh. Eyeh, c'est en fait, c'est oui. C'est comme quand tu dis Naam. Naam, c'est vraiment typique de l'arabe. Mais souvent, des légers, on dit Eyeh. Yeh, oui. Asidi, donc A. À chaque fois, tu vas retrouver ici A, c'est-à-dire, c'est un peu comme quand on dit dans la langue arabe Ya, c'est-à-dire Oh, monsieur. Donc, c'est un peu pour rajouter une forme de respect. Donc, Asidi, Oh, monsieur. Chnou, kiesek. Donc, chnou, kiesek, c'est quelle est ta taille de vêtements? Là, je pourrais le rajouter, je le rajouterai après dans le PDF. Mais dans le vocabulaire, je l'ai précisé. Donc, chnou, kiesek, c'est quelle est ta taille de vêtements? Chnou, c'est quoi? Quel? Tout ça, on le verra dans le vocabulaire. Kiesek, à toi. Ta taille à toi. Donc, Sidi Playmobil, il répond Kanlbes M. Kanlbes M, c'est-à-dire je mets, je porte du M. Donc, c'est-à-dire ma taille, c'est du M normalement. Moulhanout, donc notre vendeur, il lui répond ou Eshmin Lone Briti. Eshmin Lone Briti. Donc Eshmin Lone, c'est quelle couleur? Quelle couleur? Briti, tu veux. Eshmin Lone Briti, quelle couleur tu veux? Donc maintenant, monsieur Playmobil, qu'est-ce qu'il va répondre? Il va dire au vendeur, Chnou andkoum. Chnou ankoum, il aurait pu dire aussi chnou andek. Donc chnou ankoum, c'est qu'est-ce que vous avez? De manière générale, qu'est-ce que vous avez dans la boutique? Mais il aurait pu lui dire chnou andek, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as? Donc toi vendeur. Donc là j'ai mis chnou ankoum, qu'est-ce que vous avez? Donc qu'est-ce que vous avez comme couleur? C'est ça qui est sous-entendu. Et donc Moulhanout répond andna fizraq l'qahwi. Andna, nous avons Fizraq, donc en bleu. Fizraq, zraq, c'est le bleu. L'kahwi, l'kahwi, donc c'est le marron. Ou bien, l'khdar. L'khdar, c'est-à-dire le vert. Donc s'il dit Playmobil, eh bien il dit Atini, l'kahwi, afek. Nqisso. Atini. Là, je mets pas de. Voilà, je mets pas de H. Atini l'kahwi. Afak nqisso. Atini, c'est donne-moi. L'kahwi, le marron. Afak, s'il te plaît. Nqisso. C'est-à-dire, donc je pour que je l'essaye. Donc, atini l'kahwi. Afak nqisso. Donne-moi le marron, s'il te plaît. Comme ça, je vais l'essayer. Et donc Moulhanout, il lui répond Hakasidi. Hakasidi, c'est tiens, tiens monsieur. Donc Asidi, au oh, monsieur, tiens Sidi. Donc tiens pour l'essayer. Et donc il l'essaye, le monsieur Playmobil. Et là, sa femme qui est avec lui, qu'est-ce qu'elle va répondre? Donc Lala Playmobil, Madame Playmobil, elle dit La, hada, qsir alik. La 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 la, hada qsir alik.
Donc non, non, non. Là, c'est non. Là, c'est non. Hada. Hada, c'est ça. Cette chose-là, donc au masculin. Donc cette doudoune, mais en arabe marocain, c'est du masculin. Hed el-kabot. Donc cette doudoune. Hada. Qsir. Qsir, c'est court. Trop court. Hada qsir alik. C'est-à-dire que c'est trop court pour toi. Donc là, il y a une comparaison. C'est ce qu'on verra dans la grammaire de ce cours, donc dans une autre vidéo. Donc, qsir, c'est court. Donc, c'est le contraire de long. On est bien d'accord. Qsir alik, pour toi. Donc, elle compare avec lui. C'est beaucoup trop court pour lui. Ça ne lui va pas. Wuld Playmobil. Donc, Wuld, ben, c'est le fils. Hein. Le fils Playmobil. Donc, c'est le petit enfant qui est avec eux. Leur petit garçon. Et qu'est-ce qu'il dit à son père? Il dit, Jack Mdayik Ababa. Jack Mdayik Ababa. C'est-à-dire, Jack, ça te va. Là, ici, dans ce contexte-là, c'est comment le vêtement te va. Donc, il lui dit que ça, cette doudoune qu'il vient d'essayer, ça lui va de manière Mdayik, c'est-à-dire serrée. C'est-à-dire que c'est trop serré pour toi. Jack Mdayik, c'est-à-dire que c'est trop serré, ça te va trop serré. Ah, baba, c'est-à-dire au papa. Eh, baba. Donc, baba, c'est papa. Ensuite, Lella Playmobil, donc Madame Playmobil, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, Chouf l'kmem, fin, woslo, lik. Chouf l'kmem, fin, woslo, lik. C'est-à-dire, Chouf, chouf, c'est regarde. Regarde quand tu t'adresses à un homme. Si tu t'adresses à une femme, tu vas dire choufi. Choufi. Là, elle s'adresse donc à son mari, donc elle lui dit chouf. L'kmem, c'est les manches. Les manches, on verra le singulier dans la partie vocabulaire, donc dans une autre vidéo. Donc l'kmem, c'est les manches. Fine, fine, c'est où? Où? D'accord? Woslo lik. Woslo lik, c'est-à-dire où elle t'arrive. Regarde les manches où elles t'arrivent, c'est-à-dire c'est trop court pour toi. Les manches, ça se voit bien que les manches, elles t'arrivent bien trop court en fait. C'est ça que ça veut dire. Et donc, s'il dit Playmobil, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'adresser encore à Moulhanoud, donc ou à notre vendeur. S'il dit Playmobil, il va dire Wesh andkoum fil el. Wesh andkoum fil el. Donc, wesh, est-ce que Andkoum, donc vous avez, ou bien Andek, tu as. Donc je te rappelle que pour Andkoum, Andek et tout ça, j'ai fait une vidéo sur ça, sur la conjugaison du verbe avoir au passé et au présent. Donc je te renvoie à cette vidéo, je te mettrai le lien certainement dans cette vidéo, ou bien dans la description de cette vidéo. Donc fi elle, donc en elle. Donc, est-ce que vous l'avez, lui demande, ben, est-ce que tu as la fameuse doudoune en L? Parce que là, en M, c'est trop, ça me va pas, quoi, c'est trop court pour moi. Donc, Moulhanout, il lui répond quoi? Hek, Sidi, Pra, Wahed, Fil, L. Kijek. Donc, Hek, Sidi. Donc, Hek, c'est tiens. Tiens, quand tu t'adresses à un homme. Heki, c'est tiens si tu t'adresses à une femme. Donc là, c'est un homme, on dit hek, hek, tiens. Sidi, donc oh monsieur. Pra, il reste. Il en reste, il reste. Wahed, donc on l'a vu, c'est-à-dire un seul. Fi, elle, donc en elle, en taille elle. Ki, jek. Ki, jek, c'est comment te va-t-il? Comment te va cette doudoune? Comment te va ce vêtement? Kijek. Donc, il l'essaie. Et Lella, Playmobil, Madame Playmobil, qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit, Iwa, Heda, Ahsen. Jek, Ouais, Hedek. Iwa, Heda, Ahsen. Jek, Ouais, Hedek. Iwa, et ben, certains disent Ewa. Ewa, Iwa, ça veut dire eh bien. Eh bien. Heda, Heda, c'est ça, celui-là. Donc, au masculin.
Ahsen, Ahsen, on l'avait vu dans le précédent cours du mois dernier, c'est mieux. Mieux, donc c'est un super superlatif. Enfin, Ahsen, c'est voilà mieux que ce qu'il y avait précédemment. Jek, donc ça te va. Donc là, ce vêtement te va. Rouwahedek. Donc quand on dit Jek, Rouwahedek, c'est-à-dire ça te va bien. C'est exactement ça qu'il te faut. Jek Rouwahedek, ça te va bien. Tu peux dire aussi Jek Rouwaheda. Rouwaheda ou bien Rouwahedek, ça te va bien. Et Moulhanoud, donc notre vendeur, il dit Eyeh, Jek Mkhayer à Sidi. Jek Mkhayer à Sidi. Donc Eyeh, ça veut dire eh oui, c'est exact. Jek Mkhayer. Donc quand tu dis Jek Mkhayer, c'est-à-dire ça te va parfaitement. Ce vêtement, il te va comme un gant. Ça te va vraiment très très bien. Jek Mkhayer. Donc à Sidi, au monsieur. Et donc Sidi Playmobil, qu'est-ce qu'il dit? Il en rajoute une couche. Il dit ben oui. Ou toub, sroun. Toub, sroun. Donc, ou, c'est-à-dire et. Toub, toub, c'est le tissu. Le tissu, donc le tissu de la fameuse doudoune. Sroun. Sroun, ça veut dire chaud. Chaud, parfois, ça peut vouloir dire brûlant dans certains cas. Donc, sroun, c'est-à-dire que ce tissu est chaud. Et donc, Moulhanout, il l'encourage parce qu'il aimerait bien pouvoir la vendre, cette doudoune, quand même. Et donc, il lui dit, Naam, Asidi, Hada, Mdoubel, Bil Kashmir, Wacha, Tmchi, L'Sibiria, ou Mathesh, Bil Bird. Alors là, c'est une phrase un peu longue, donc on va la décortiquer. Naam, Naam, c'est-à-dire oui. Donc, je t'ai dit, c'est l'équivalent de Eyeh, Eyeh. Juste Naam. C'est vraiment typique de la langue arabe. Donc, Asidi, c'est au monsieur. Hada, on l'a vu, c'est ça. Alors, mdoubel, ben, va pas chercher loin. C'est en fait, c'est le mot français, mais qu'on prononce à la marocaine. Donc, mdoubel, c'est-à-dire doublé. Doublé, c'est-à-dire que c'est l'intérieur du manteau est doublé. Avec quoi? Bil cachemire. Bil cachemire, c'est-à-dire avec du cachemire. Donc, avec le cachemire, mais au Maroc, souvent, quand on dit le cachemire, c'est pas le pur cachemire, le tissu très très cher. Souvent, quand on dit le cachemire, c'est voilà, c'est un tissu assez vraiment très chaud, quoi, typique des vêtements d'hiver. Waha, waha, ça veut dire d'accord. D'accord. Donc, là, ici, dans ce cas-là, je l'ai traduit par même si, mais normalement, ça veut dire d'accord. C'est-à-dire même si tu vas. Tmchi, tmchi, c'est tu vas. Tu vas où? L'Sibéria. L'Sibéria, c'est-à-dire l, c'est-à-dire a, vers. Sibéria, eh bien, c'est la Sibérie. Où? Et Mathesh. Mathesh. Donc, ça, c'est un peu dur à prononcer. Donc, en fait, là, c'est de la négation. Si je te dis Thes, ça veut dire. Tu vas sentir, tu vas ressentir. Tess, c'est tu ressens. Ma tess, avec un che à la fin, c'est tu ne vas pas ressentir. Donc là, je te l'ai mis, je t'ai écrit, tu ne sentiras, je peux te même te mettre, tu ne ressentiras. Voilà, tu ne ressentiras pas le froid parce que. C'est évidemment dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Bilberd. Donc, tesbi, donc sentir, ça, c'est en fait là, c'est une préposition qui suit toujours quand tu utilises le verbe tes. Et donc, le berd, c'est le froid. Le berd, le froid. Sidi Playmobil, du coup, maintenant, il en vient au prix. Donc, il lui dit. Ouchhel, ouchhel, temen, dielou. Ouchhel, temen, dielou. Donc, où est? Chhel, combien? Combien? Temen, c'est le prix. Dielou. Dielou, c'est-à-dire dielou de lui, donc c'est-à-dire de l'kabot, qui est du masculin en darija. Donc, c'est-à-dire,
Et quel est le prix de cette doudoune? Combien coûte-t-il? Donc, bon, en français, ça serait combien coûte-t-elle? D'accord? Parce que c'est une doudoune, mais là, en arabe marocain, c'est dielou, donc c'est du masculin. Moulhanout, donc l'épicier, maintenant, il va répondre en disant Liknta, Liknta 500 dirhams. Liknta 500 dirhams, c'est-à-dire pour toi, Liknta. Donc, Lik, c'est à toi. On l'a vu dans le cours précédent du mois d'octobre-novembre 2018. Nta, donc à toi. Donc, c'est-à-dire vraiment le prix spécial pour toi, ça sera 500 dirhams. 500 dirhams. Ça, donc, tout ce qui est les chiffres des centaines, on le verra dans un prochain cours. C'est prévu. Donc, il va dire, bon, toi, je vais te faire un prix spécial, un prix parce que tu me plais bien. Je te le fais à 500 dirhams. Et là, oh là là, s'il dit Playmobil, ça lui plaît pas trop le 500 dirhams, non, non. Il trouve pas ça terrible. Donc, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, Allah, bzef, Sobmaya, Sobmaya, Allah, bzef. Donc, A, c'est un peu de l'étonnement, c'est O, O, La, La, c'est non. Bzef, bzef, c'est trop, c'est beaucoup. Donc là, dans ce sens-là, c'est beaucoup trop, d'accord? Alors, Sobmaya, 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 c'est-à-dire, c'est un peu pour dire, revois le prix pour moi. Sobmaya, c'est-à-dire, allez, on va négocier ça, voilà, faut que tu me fasses un prix, là, parce que là, ça va pas. Et donc, Moulhanout, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, là, Temenzouin, là, Temenzouin, donc non, là, Temenzouin, Temen, le prix, Zouin, il est beau. Il est beau, donc c'est un bon prix. Non, c'est un bon prix, là. C'est un bon prix, je ne revois pas avec toi le prix. Donc là, on est dans la négociation, on est au Maroc, on aime bien négocier. Et donc, s'il dit Playmobil, il va dire quoi? Il va dire Natik, Rbamia, Baraka. Natik, Rbamia, Baraka. Je te donne 400, donc 400 dirhams. Natik, je te donne à toi. 400 Arba'amiya Baraka. Baraka, c'est-à-dire c'est tout, ça suffit. Textuellement, ça veut dire bénédiction, mais là, dans ce sens-là, ça veut dire ça suffit. Voilà, je ne donne pas plus de 400 dirhams. C'est bon, ça, c'est assez. Et donc, Moulhanout, donc on est, comme je te dis, en pleine négociation. Donc, Moulhanout, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire La, Arba'amiya ou Khamsin. Akhir temen. La, 450, akhir temen. Voilà, j'espère que Non, maintenant le dialogue la, est plus clair pour 450, toi. Donc je c'est t'invite 450, désormais à donc passer à la t'inquiète pas, si on seconde verra dans le vidéo, prochain cours, ce c'est-à-dire sera à sur ça, l'étude du sur les centaines. vocabulaire et des phrases types de ce Akhir dialogue. Je temen. te dis à tout de Akhir, c'est suite. Salama, dernier. bye bye. Dernier au masculin. Temen, parce que temen, c'est du masculin, c'est le prix. Donc Akhir temen, dernier prix. Et là, là. Playmobil, donc Madame Playmobil, du coup, elle met son petit grain de sel. Et qu'est-ce qu'elle va dire pour essayer d'aider son mari à trouver, à arriver au prix qu'ils veulent? Elle va dire dir lina, 430, باش نبقاو نرجعو عندك مرة أخرى. Dir lina, fais-nous, dir, c'est fait. Fais quand tu t'adresses à un homme. Si tu t'adresses à une femme, tu vas dire Diri. Diri Lina. Lina, donc c'est à nous. À nous. Donc Lina, Lik, tout ça. On l'avait vu dans le précédent cours. Je te renvoie au cours d'octobre-novembre 2018. Donc 400 outlatine. 400 outlatine, c'est-à-dire 430 dirhams, c'est ça. Bush. Bush, c'est pour. Nbqaw. Nbqaw, c'est que. Que l'on revienne en fait, que l'on revienne, nbqaw, c'est-à-dire rester en fait. Wakin nbqaw nerjo, c'est qu'on reste, qu'on revienne. Donc bash nbqaw nerjo, c'est-à-dire pour qu'on ait envie en fait de revenir. Andek, andek, c'est chez toi. Donc là ici c'est pas le verbe avoir. C'est la préposition and, chez,
avec la marque de la possession juste après, qu'on avait vu aussi au cours précédent. Donc à index, c'est chez toi, donc dans ta boutique. Marra okhra. Marra okhra, c'est une autre fois. Une fois marra, okhra, c'est une autre. D'accord ? Et donc Moulhanoud, qu'est-ce qu'il dit ? Wakha. Wakha, 430. Bon, il n'est pas très content, il aurait aimé voir plus. Mais il finit par céder, il dit allez, wakha. 430, donc wakha, d'accord. 430, 430 dirhams, c'est bon. Allez, on fait comme ça. Je vous laisse cette doudoune pour 430 dirhams. Et donc, Sidi Playmobil, Monsieur Playmobil, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Bismillah, hak hseb. Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu, mais notamment quand tu fais un achat, voilà, c'est pour dire voilà, là, lui donne l'argent, il dit hak bismillah, voilà, pour qu'il y ait la bénédiction, il dit allez, au nom de Dieu. Haka hseb. Donc haka, c'est comme hak, tiens. Tiens, haka, hak, c'est tiens. Hseb. Hseb, c'est-à-dire compte. Compte pour voir si, voilà, si la somme est bien là, s'il y a bien 430. Hseb. Donc ça, c'est si tu t'adresses à un homme. Donc voilà, monsieur Playmobil, qui dit au nom de Dieu, tiens compte, comme je viens de te le dire. Et donc, Moulhanout, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit psha, 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 c'est-à-dire à ta santé. Psha, à ta santé. Alors, au Maroc, quand tu fais un achat, quand tu fais ta douche, enfin, dans certains cas, on te dit psha, c'est-à-dire à ta santé. Et en fait, c'est l'équivalent de félicitations. Donc, tu as acheté quelque chose, on te dit psha, félicitations. Tu as fait ta douche, on te dit psha, félicitations. Tu as mangé, on te dit psha, voilà, donc à ta santé, d'accord ? Et Lala Playmobil, donc Madame Playmobil, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit Iwa, Oulina Kliendaba. Iwa, Oulina Kliendaba. Iwa, ou bien Eiwa, c'est-à-dire eh bien. On l'a vu juste avant. Oulina. Oulina, c'est-à-dire nous sommes devenus. Oulina, nous sommes devenus. Klien. Donc klien, tu vois que c'est encore le. Là, c'est un mot qui s'inspire du français, mais adapté au derija. Donc klien, c'est-à-dire des clients. Des clients. Daba. Daba, c'est maintenant. Donc là, je te l'ai traduit par désormais. Mais sinon, ça veut dire maintenant. Moulhanoud, donc notre vendeur, il dit ayez, marhaba bikoum fi ayi waqt. Ayez, oui, marhaba bikoum. Marhaba bikoum, c'est bienvenue à vous. Fi ayi waqt, fi, donc c'est dans. Ayi waqt, c'est n'importe quel moment. Donc waqt, c'est le temps, c'est le moment. Ayi waqt, ayi. Donc c'est n'importe lequel, voilà, tu peux venir quand tu veux et vous êtes les bienvenus. Donc Sidi, oulala, Playmobil, qu'est-ce qu'ils disent ? Pslema, pslema, c'est pour dire au revoir, pslema. Et donc Moulhanoud, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il répond, pslema, laïskhar, pslema, laïskhar, donc pslema, au revoir. Alors laïskhar, c'est... pas facile du tout à te le traduire. Laïsrar. Srar, en fait, par exemple, quand tu veux dire à quelqu'un qui tu veux qu'il te rende un service, qu'il te ramène quelque chose, qu'il aille t'acheter, par exemple, un litre de lait à l'épicerie, tu vas dire srarliya. C'est-à-dire, un peu, c'est si tu vas dire rendre service. Laïsrar. Donc là, dans ce sens-là, ça peut vouloir dire que Dieu déjà bénisse ton achat, même si normalement c'est Leiberk pour dire que Dieu mette sa bénédiction. Donc là, c'est un sens de. Il y a quand même un sens de que Dieu bénisse ton achat, mais aussi que ce soit un achat qui te soit utile en fait. Voilà, c'est ça le. Donc souvent quand tu fais un achat, on va te dire Leisrar. D'accord ?
Donc voilà, j'espère que ce dialogue est bien compris. Maintenant, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on étudie ensemble le vocabulaire de ce dialogue, c'est-à-dire les verbes, les noms, les prépositions, etc. Comme ça, tu vas encore comprendre davantage. Donc je te remercie beaucoup pour ton attention. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis, prends bien soin de toi. C'est la frasek, c'est les frasek. Psalama, bye bye!